Hello les amis, c'est Spal 2017-09, du coup on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Stop, ne dis plus rien. Pour Horizon, la suite. Si la première vidéo c'est pas faite, c'est pas grave, on va continuer comme ça. T'as rien à faire ici, la Elles savent. Oh, c'est bien plus compliqué que ça. Elles le savent alors. Aloy, toi et moi, on est des parias. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'elles me le disent? Les matriarches? Je ne sais pas, mais j'ai peut-être une idée. Bah allez, dis-moi. Ça pourrait te coûter la vie. Il faudra t'entraîner pendant des années. Ça m'est bien égal. Comment est-ce que je dois faire? Explique-moi. Le rite de passage. L'éclosion que la tribu pratique chaque année. Ceux qui surmontent l'épreuve deviennent des braves. Quant à ce vaudra y consacrer des années. On s'y met à la... Donc du coup, si la vidéo elle s'est coupée, c'est pas grave les amis. Vous aurez pas vu le début, c'est un petit peu dommage, mais voilà. J'ai rien à faire, j'ai déjà passé, je sais pas le recommencer, donc... Où est-ce qu'il est ?
On est à 2 jours de l'éclosion et il disparaît? Non, il ferait pas ça. Il m'avait dit qu'on irait chasser. Pourquoi il est là? Où est-ce qu'il est passé? Qu'est-ce qu'il fabrique? On dirait qu'il attend. J'y comprends rien. Aloy, tu es là. Tu veux que je te laisse? Non. Je dois te parler. J'ai réfléchi à ton entraînement, Aloy. Je t'ai appris à chasser, à survivre. Mais il y a quelque chose que j'ai omis de t'enseigner. Veux-tu l'apprendre? Bien sûr. Tout ce que tu m'enseignes est important. Il y a eu des incidents. C'est l'occasion idéale pour cette dernière leçon, mais ce sera dangereux. Il faut que tu sois préparé, ou tu mourras. Va chasser dans l'étreinte et récupère les pièces nécessaires à des flèches de feu. Des flèches de feu? Mais de quel genre d'incident on parle? Quand tu auras tout trouvé, retrouve-moi là-bas, la porte près du village du cœur de la mer. La porte nord? À la frontière de l'étreinte? Oui, c'est ça. Allez, allez, ne traîne pas. Je vais chercher les pièces, mais j'en profiterai pour... Aloy, cet homme enfreint le règlement à chaque fois qu'il te parle. Et je l'en remercie. J'aurais besoin d'acheter un lance-câble et c'est le seul à traiter avec les parias. Fais-le plein de munitions, alors. Cette arme te sera utile ce soir. C'est assez inquiétant. Très bien. On se voit à la porte nord. Il y a quelque chose qui le tracasse. De toute ma vie, je ne suis jamais allée au-delà de cette vallée. L'éclosion va changer tout ça. 2 jours. 2 jours et j'aurai mes réponses. 2 jours et je saurai d'où je viens. Et pourquoi on m'a rejetée à la naissance. Comme si ça pouvait se justifier. Bon, il faut que je trouve les pièces pour les flèches de feu. D'abord, trouver un trou.
lumière rouge. Vite et je prends. J'ai plus besoin de leur bouteille. Comment faut faire des soins déjà? Orpheline, allez-y, régalez-vous. Comme toujours, il va remporter les clous. Je dois aller.
aller voir Karst. J'ai besoin d'un lance-câble. Je ne vois personne dans le coin. Donc c'est sans danger. À mon avis, il doit m'attendre. Voilà, il a l'air nerveux. Tiens, 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 une paria devant chez moi. Que la toute mère me protège. Je suis surprise que tu m'aies vue. Tu regardes partout sauf vers moi pour vérifier que personne ne nous voit. Mais pourquoi, côté cervical? C'est surtout dangereux quand tu viens me voir, petite. Ça finit toujours mal. La dernière fois que je suis venue, t'avais un lance-câble dans tes réserves. Tu l'as toujours? Bien sûr. Mais je veux une lentille de charognarde. Qu'est-ce que tu veux? Ça a un prix, les armes spéciales. Ça... C'est à moi d'en juger. Fais voir. Trouver un lance-câble, va t'entraîner un peu plus loin, d'accord? J'ai suffisamment de problèmes sans en plus me prendre les pattes dans des pièges électrifiés. Ah oui? On aurait pu croire. Tu seras là plus tard, si jamais j'ai besoin d'autre chose? Je ne bouge pas. Apporte-moi les matériaux que tu récupères sur les machines que tu abats à la chasse. Les meilleurs te vaudront plus d'éclat, comme d'habitude. Mais tu devrais quand même jeter un coup d'œil à mon stock. Qui sait, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'aider à... Je ne m'en lasse pas. Je crois que c'est tout. Ok. J'ai ce qu'il me faut. Je peux aller retrouver Rost à la porte nord. Servir. Je ne sais pas quelle est leur proie, mais la chasse a l'air rude. Les flèches de feu? Oui. Ces explosions et ces cris au-delà de l'étreinte, c'est ça les incidents dont tu parlais? Tu le sauras bientôt. Pour l'instant, on attend la nuit. Attendre la nuit? J'ai vu Karst et j'ai acheté ce lance-câble dont je te parlais. Et je suis sûr qu'il t'a fait payer une fortune alors que c'est une arme un peu plus rustique. C'était pas donné, mais je ne regrette pas. Peut-être. Tu verras rapidement ce qu'il vaut. Je comprends pas. Ces explosions, c'est à l'extérieur de l'étreinte.
Qu'est-ce qu'on peut faire d'ici? Ce que j'ai à t'apprendre sera fait au moment opportun. D'ici là, on attend. Il y a autre chose qui te tracasse? Non, tout va bien. Tu t'inquiètes de ce qui va se passer après l'éclosion? Je sais ce qui va se passer. Tu seras accepté comme membre de la tribu et je resterai un paria. Un avisé. Rost, même si la tribu m'accepte, je... Nous avons du travail, Aloy. Nous parlerons de ça plus tard. D'accord. La nuit ne va pas tomber tout de suite. Je vais aller me reposer. Bonne idée. Tu ne risques pas de dormir cette nuit. Ouvre la porte à une paria. Certains sont bannis alors qu'ils n'ont jamais mérité le déshonneur. Tu parles d'une loi tribale? Je n'ai parlé à personne et nous devons tous deux rester silencieux maintenant que nous sommes en dehors de l'étreinte. Ça, c'est la vraie nature, Aloy. Ces dangers dépassent tout ce que tu as jamais connu. La vache! Qu'est-ce que... Elles sont mortes. Elles ont tué de nombreux braves depuis leur arrivée dans la région. Je veux bien te croire. Suis le sentier, ce n'est pas loin. La maisonnette, qu'est-ce qui s'est passé? Une machine, comme toujours. Quel genre de machine peut faire ça? Celle que tu es en train de chasser en ce moment. Ok. Une carcasse de veilleur. Je récupère les pièces. Surveille les alentours. Il sera bientôt. Pourquoi il n'y a que nous? Pourquoi les braves de la tribu ne l'attrapent pas, cette machine? Ils ont essayé. Les carcasses qu'on a croisées, c'était eux. Et demain, ils reprendront la chasse. Ce ne sera pas nécessaire. Cette machine ne fera pas le poids. Ou c'est toi qui ne le feras pas, si tu n'es pas prudent. Tout entier, anéanti par des Dantsi. Mais combien ils étaient? Je ne t'ai pas amené ici pour répondre à tes questions, Aloy. Je t'ai amené pour que tu t'occupes de ça. Attendez, je me fais un petit remplissage.
Et quoi qu'il puisse arriver, je n'interviendrai pas. Est-ce que tu comprends? Tu dois te débrouiller. Il faut que je reste caché. Je peux me servir des hautes herbes pour approcher. Voyons un peu où je vais placer mes pièges. Attends. Allez. Pour répondre à mes questions. Alors, je suis destiné à m'améliorer en situation de combat. Non. Allez, viens. Ça, c'est la zone où les Nora viennent chasser. Il faut protéger cet endroit.
Si tu n'avais pas détruit ces dents-ci, combien de braves est-ce qu'il aurait pu blesser ou même tuer demain? La leçon repose tout entière sur cette question. Ça fait des années que tu t'entraînes pour l'éclosion, mais uniquement pour toi-même. En tant que brave, ton devoir sera de protéger ceux de ta tribu. Ceux de ma tribu? Tu disais que j'en aurais pas besoin. Mais je ne t'ai jamais dit qu'ils n'auraient pas besoin de toi. C'est en apprenant à te débrouiller seul que tu te forgeras tes propres opinions. Tu apprendras à servir une cause qui te dépasse. Laisse la leçon à retenir de tout ça. Garde-la en mémoire. Après l'éclosion. Mais aussi après la mort. Kika. Bon, on a fini. Viens. À la tête dans ton panier, hein, tu sais rien faire. Hein. T'es niqué, hein. T'es obligé de rester là. Ce jour s'est levé. Ce jour sera ton dernier ici en tant que paria. Profite de ce moment pour réfléchir aux défis qui t'attendent ensuite. Quand il faudra rejoindre le cœur de la mer, tu me trouveras sur ton chemin. Je rentre à la maison avec toi. Je ne vais pas y aller tout de suite. J'ai encore à faire. Oh, c'est-à-dire ? Je te retrouverai quand il sera temps. J'ai compris ta dernière leçon, Rost. Vraiment ? Mais si je dois lutter pour quelque chose, ce serait une cause en laquelle je croirais. Je te souhaite de la trouver. Je suis sincère. Toi au cœur de la mer. C'est ça. Bon les amis, pour YouTube ce sera la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à partager, liker et de vous abonner et tout ça, et moi je vous dis à plus à la prochaine pour une prochaine vidéo, c'était SpaGaming1709, peace.